Yo famille, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi je vais super 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 très bien. C'est Stéphane Ali, ni suiveur ni suceur, et je dis ce que je pense. C'est la nouvelle signature famille. Voilà, donc adoptez la belle maintenant. Voilà, pour ceux qui demandent à monsieur sur Instagram et Twitter, c'est toujours Sœur TV. Mais sur Instagram c'est Sœur TV, mais collé Sœur TV collé. Vous pouvez partir vous abonner massivement là-bas. Aujourd'hui j'aimerais bien réagir. C'est ce que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux concernant Cédric Diabaté et des Bordeaux. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou c'est vraiment un rapprochement. Parce que mine de rien, avant d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais vraiment féliciter quelqu'un. Si c'était un rapprochement, c'est quelqu'un qui c'est bel et bien Didier Arafat. Didier Arafat, mine de rien, qu'on a beaucoup critiqué, mais qui est quelque part, qui a une essence de paix, qui a un sens du rassemblement, et ça j'aimerais bien en féliciter. Voilà, vous voyez les amis, le showbiz est tellement bizarre, il est très bizarre. C'est pourquoi souvent je me réserve d'être un peu trop dur avec certains artistes, ou mieux trop mélanger certains artistes, parce que tu vas te mettre là à vouloir vilipender un artiste, à vouloir lui faire une mauvaise campagne, et puis après tu es surpris que celui que tu défendais, monsieur, pourquoi tu défendais ou bien tu fustigeais cet artiste-là, se retrouve réconcilié ou pote avec ces derniers. Comme on dit dans le jargon ivoirien, tu sors plat. Tu sors vraiment, vraiment plat. Maintenant, moi, quand je regarde bien la vidéo, quand j'analyse bien la vidéo, je vois en aucun moment des Bordeaux avec Cédric Diabaté en train de danser comme il faisait avec Didier Arafat de 12 à 22. Mais je me dis aussi, Arafat ne peut pas être dans un coin, Cédric aussi, et des Bordeaux. C'est qu'il y a eu forcément communication avant. C'est qu'il y a eu forcément échange. C'est qu'il y a eu forcément, on va dire, bas la terre, tableau rasa de tout ce qui s'est passé avant. Donc, moi, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est de me dire réellement, que pensez-vous, vous, mes abonnés, vous qui me regardez, que pensez-vous réellement de ce rapprochement entre Cédric Diabaté et des Bordeaux? Est-ce une simple coïncidence? Est-ce réellement un rapprochement? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Parce que c'est bien aussi, c'est vos avis qui nous donnent la force de pouvoir réagir sur certains sujets du showbiz. Voilà, donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Parce que moi, je suis un peu perplexe. Je ne peux pas confirmer que c'est un rapprochement. Je ne peux pas confirmer que c'est une simple coïncidence. Mais le fait est qu'ils étaient assis dans la même boîte, dans le même salon, avec un vecteur d'union qui est Didier Arafat. Donc, ceci étant, moi j'aimerais dire à tous les vidéomans, à tous les fans, de ne pas se laisser aller. C'est vrai qu'il faut souvent mettre les pendules à l'heure lorsqu'un artiste, comme c'est Didier Diabaté, déconne. Mais ça nous rend encore plus ridicule de le voir avec notre artiste en parfaite harmonie. C'est pas quelque chose de mauvais, mais je vais dire, il faut souvent avoir des réserves, des limites dans nos façons de faire. Merci.